Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble toutes les nouveautés pour cette nouvelle saison de Noël à Disneyland Paris. D'un nouveau spectacle de Noël avec Mickey et Minnie, jusqu'à un nouveau show avec les princesses Disney, en passant par une nouveauté sur le château avec la Belle au bois dormant et de nouvelles scènes dans le spectacle musical Chantons Noël. Et on se retrouve directement sur le parc Disneyland. Ah, je suis trop content de vous faire ce vlog pour la saison de Noël, pour le retour de la saison de Noël. Moi, cette année, je suis pas venu très tôt pour la saison, là on est début décembre. La saison a commencé depuis à peu près un mois, donc je suis venu assez tard. Je suis trop content de retrouver Noël à Disneyland Paris, c'est vraiment ma saison préférée sur le parc. Les décors sont magnifique et l'ambiance elle est incroyable, donc je suis vraiment trop content de revenir sur le parc pour cette saison. Mais donc voilà, on va directement commencer par le spectacle musical Chantons Noël et j'ai très très hâte. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, surtout lorsque l'on chante Noël. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmas is long, long ago. Absolutely. Come on, everyone. Let's get in the swing with a little jingling. Clap your hands and sing along. Merry Christmas, Merry Christmas. And a bigger life this one this year. Merry Christmas, Merry Christmas. And a bigger life this one this year. Merry Christmas. Allez Minnie, dépêchons-nous. How beautiful. Yeah. Right here with my Christmas family. Surprise. I'm so glad to be right here with my Christmas family. Bon, du coup, je sors du spectacle et il est toujours aussi magnifique, c'est incroyable. À chaque fois, vraiment, c'est les frissons. Avant de retrouver toute cette musique, le chant en live, c'est trop cool. Et vraiment, ça donne des étoiles plein les yeux. J'adore ce spectacle. En plus, il y a eu des nouveautés, ça, j'étais pas au courant. Il y a quelques scènes qui ont été rajoutées en plus, notamment des chansons en français. Parce que c'est vrai que d'habitude, ils nous demandent de chanter, mais c'est des chansons en anglais, donc c'est un peu compliqué. Là, ils ont notamment chanté Vive le vent. Vraiment, je suis fan de ce show. Et là, maintenant, je vais aller faire un show sur Town Square. Ça s'appelle Les Retrouvailles de Fête. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai vu quelques images, ça a l'air très très cool. Et donc on va aller voir ça, je vais essayer de bien me placer, je sais pas trop vers où se placer. Et donc c'est un nouveau petit spectacle qui n'existait pas avant, donc on va aller découvrir tout ça. Ha!
Merci à tous d'avoir participé à la répétition avec nous. Thank you everyone for... C'est magique. Voilà, du coup, on va essayer de faire rapidement le spectacle des princesses Disney fêtes, les fêtes de fin d'année. C'est sur Times Square et c'est dans 5 minutes. Bon, du coup, petit débrief des deux spectacles que je viens de voir. Donc, je viens de voir les retrouvailles de Noël, mais aussi les princesses Disney célèbrent les fêtes de fin d'année. Donc, pour les retrouvailles de Noël, c'est sur Times Square. Donc, c'est un petit spectacle, comme vous l'avez vu, qui est vraiment super sympa. Donc, au début, il y a Mickey, Minnie, le Père Noël et quelques personnages qui arrivent sur la gare de Main Street. Donc, coup de bol, j'étais super bien placé. J'étais juste à côté d'eux, j'ai pu bien les filmer, prendre de belles photos. Donc, je suis trop content. Et ensuite, en plus, il y a d'autres personnages qui arrivent. Donc, il y avait Dingo, Donald, Daisy, puis aussi Stitch, Pinocchio au loin, qui sont venus devant nous. Donc encore une fois, j'ai eu de la chance, j'étais très bien placé. Donc si jamais vous voulez voir ce spectacle, mettez-vous vraiment à cet endroit-là. Donc entre la gare de Main Street et Town Square. En tout cas, je trouve que la place où j'étais, elle était vraiment super. Et vraiment, c'est un spectacle trop cool. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y avait vraiment des personnages de partout. On savait plus trop donner de la tête. C'est assez court, je crois que ça dure à peu près 10 minutes. Mais vraiment, ça vaut le coup. Et c'est une super nouveauté pour cette saison de Noël à Disneyland Paris. De base, la saison, elle est déjà magnifique avec les décors. Le spectacle musical Chantant Noël et la parade des Tasseland de Mickey. Mais là, ça rajoute encore plus. Et en plus, juste après, il y avait donc les princesses Disney célèbrent les fêtes de fin d'année. Donc ça, c'était sur Central Plaza. Alors, le seul petit truc qui est un peu bizarre, c'est que les deux sont à 5 minutes d'écart. En gros, les retrouvailles de Noël, c'était à 14h25, je crois. Et les princesses Disney célèbrent les fêtes de fin d'année, c'était à 14h40. Donc le temps que ça finisse, j'ai eu même pas 5 minutes pour aller sur Central Plaza. Donc ça, je comprends pas trop pourquoi. Je pense que c'est difficile de faire les deux en même temps. Moi, j'ai eu de la chance, quand je suis arrivé, j'ai trouvé une place juste devant une scène. Mais il y avait quand même déjà beaucoup de monde. Mais ça aussi, c'était un spectacle plutôt cool. Donc il y avait plein de princesses. J'ai vu Réponse, Belle de La Belle et la Bête. Il y avait Tiana, il y avait Jasmine, il y avait Mulan, il y avait Blanche-Neige, et il y avait Cendrillon. Donc il y avait plein de princesses, c'était très cool. Donc c'est un choix simple, juste à se mettre sur les scènes de Central Plaza. Ensuite, elles font un tour en char autour de Central Plaza. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre au centre de Central Plaza. Parce que moi, du coup, j'étais à l'extérieur. La plupart du temps, les princesses, elles tournaient le dos, en fait. Alors, c'est pas très grave, mais c'est bon à savoir. Et ce qui est bon à savoir aussi, c'est que c'est difficile de faire les deux shows en même temps. Donc, si vous êtes là 2 jours, faites un jour les retrouvailles de Noël. Et le lendemain, les princesses Disney célèbrent les fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est 2 super ajouts pour cette saison de Noël à Disneyland Paris. Vraiment, je suis trop content et je trouve que c'est vraiment de belles nouveautés. Et il y a encore une nouveauté qu'on va aller découvrir maintenant, qui se nomme les vœux magiques de la princesse Aurore et qui sont cette fois dans la cour du château. Déjà commencé. J'espère que notre chère princesse Aurore aimera notre petite cérémonie et surtout qu'elle sera habillée de bleu. Oh non, rose évidemment. Dans le château du royaume enchanté, la romance et la magie transforment les rêves en réalité. Gloire à la princesse. Nous sommes enchantés de vous accueillir en ces fêtes de fin d'année dans notre château. Regardez, Philippe. Nos amis se sont donné rendez-vous pour nous rencontrer. Et je souhaite à tous. I know you. I walked with you once upon a dream.
qu'il est agréable de se promener ici. Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et notre journée, chaque sourire et chaque applaudissement vont péter des étoiles sur notre chemin. Que la magie continue. Bon là, je viens de faire les vœux magiques de la princesse Aurore devant le château. Donc encore une fois, c'est un nouveau petit spectacle pour cette année, pour le Noël de Disneyland Paris. Et franchement, c'est une petite nouveauté qui est plutôt cool. Encore une fois, c'est assez sympa, il y avait beaucoup de monde. Et c'est vraiment rare de voir autant de monde dans la cour du château. Et donc j'ai vraiment trouvé ce show super sympa. C'était assez court, mais en vrai, ça donne une bonne petite animation dans la journée. Et donc c'est vrai que cette année, avec toutes ces petites nouveautés pour la saison de Noël à Disneyland Paris, si vous faites ces trois petits nouveaux shows, en plus du spectacle musical Chantons Noël et des deux représentations de Mickey et sa parade étincelante de Noël, ça va bien rythmer vos journées. Et si vous rajoutez quelques rencontres personnages, vous n'aurez pas le temps de faire grand chose de votre journée en plus, quelques attractions au maximum. Donc je vous conseille peut-être pas de tout faire la même journée. Et si vous venez sur plusieurs jours, essayez de les éparpiller justement sur les différents jours. Et justement, on va finir cette belle journée avec les deux représentations de Mickey et sa parade étincelante de Noël. J'ai très très hâte. Noël. Tous ensemble, nous sommes capables de grandes choses, comme rendre possible l'impossible. Oh, oh, oh.
Bon, je viens de voir les deux représentations de Mickey et sa parade étincelante de Noël. Ce show, il est toujours incroyable. Je suis tellement content de le revoir sur le parc. C'est vraiment l'un de mes shows préférés à Disneyland Paris. À chaque fois, ça fout le smile et ça pour toute la soirée, même pour toute la semaine au final. Je sais pas, de voir toutes ces couleurs, tous ces personnages, la musique, elle est tellement géniale. Puis vraiment, le deuxième show avec l'illumination du sapin, c'est juste fou. C'est magnifique, toutes ces couleurs, l'ambiance. Il n'y a pas mieux pour se mettre dans l'ambiance de Noël, vraiment. Donc voilà, je suis trop content d'avoir revu ce show. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, en commentaire, vous adorez ce show. D'ailleurs, si vous ne savez pas, cette vidéo fait partie d'un calendrier d'avant où je vous sors une nouvelle vidéo par jour jusqu'à Noël. Du coup, là, c'est tous les jours à 18h. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que ce petit vlog à Disneyland Paris vous aura plu. Il y en aura plusieurs durant ce calendrier d'avant. Et le prochain arrive d'ici quelques jours. Moi, je vous dis donc à demain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Kid Valou. Ciao!